aujourd'hui, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Moi, ça va pas très bien parce que là, je crois que je vais partir. J'ai trop peur. Ciao, ciao, les amis. Mais non, maman, c'est juste des déguisements. Oh, vous m'avez fait peur. Oh là là, c'est vrai, vous m'avez fait une blague. C'est vrai que c'est bientôt Halloween. Bah oui. Alors, aujourd'hui, les loulous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un twin télépathie avec des jouets à deviner. Un twin télépathie? Alors, en fait, c'est quoi le truc là? Parce que, en fait, tu nous as inventé un challenge, c'est ça? Bah oui, en fait, il y a quelqu'un qui va avoir un objet dans les mains et l'autre, il va avoir un bandeau. Et en fait, celui qui a l'objet dans les mains, il va devoir, par exemple, dire des indices si c'est, je sais pas moi, si c'est une tomate, par exemple. Ouais, voilà, et bah on dit rond, rouge, et après, par exemple, s'il dit tomate, et bah après, tu lui donnes la tomate. Ok, donc en fait, vous avez une surprise chacun à deviner, c'est oui. ça? Oui. Et en fait, vous pouvez l'ouvrir que si vous avez deviné. Oui, oui. Ok. Ah, ça va être dur ça, oh. Ah ouais. Oh là là. Bon, bah les copains, je sais pas si vous connaissez ce challenge, normalement, on l'a jamais vu. Let's go. Allez, let's go. On est en place et là on va devoir décider de qui va mettre le bandeau en premier. Qui va devoir deviner en premier? Shifumi. Allez, c'est parti. Shifumi. Voilà. Alors c'est Ozan qui met le masque en premier. Donc tu mets le masque et là Corentin il va avoir un objet dans le masque. Je vais lui donner à C'est bien aussi. Donc, Ok, bon, je te laisse mettre ton serre-tête, ton bandeau, ton machin, tes chaussettes, tes bonnets, tes gants, c'est bon? Ah, il y a le chien à mes pieds. Ah, il y a le chien aussi à tes pieds, tu veux mettre le chien sur ta tête? Non, c'est bon. Sûr, on va te le chercher, hein. Ok, donc combien j'ai de doigts? Voilà, ok. Si je te donne. Elle y voit rien. C'est bon. Elle y voit rien, les amis. Donc, je vais donner la surprise à Corentin. Voici donc la surprise pour Océane. Voilà. Donc, je la donne à Corentin. Océane ne l'a pas vu. Corentin non plus, d'ailleurs. Ils n'ont pas découvert. Corentin, il l'a carrément mis sous la table comme ça. Elle ne peut pas la voir. Alors, c'est simple, il va falloir que tu donnes des indices à ta sœur, oui. Donc un mot, et par rapport à ce mot, Océane va devoir deviner la surprise, ok? Et on va voir en combien de mots, celui qui aura deviné avec le moins de mots aura gagné ce challenge, comme ça c'est plus marrant, non? Ok, c'est bon? Allez, top! Boule! Qu'est-ce que ça peut bien mettre dans une... Une caisse à pommes? Non. Allez, deuxième mot pour Corentin. Figurine. Une figurine dans une boule. Oui, une figurine dans une boule. Mais bon, il faut être plus précis que ça. Donc, terminé. Troisième mot pour Corentin. Un truc qui est gluant dessus. Un truc qui est gluant. Non, c'est pas gluant. Ok. Bon, quatrième mot pour Corentin. Allez, donc ça fait 4. Qui crache. Une boule poupée LOL. Ouais, bravo. Une poupée LOL. Ah ouais. Ça, c'est une kibri. Quatre mots, elle a deviné. Franchement, c'est balèze. Yeah. Elle est belle, hein. Wow. En plus, elle n'en a jamais ouvert comme ça. Non, jamais pas été. Jamais pas été. Non, ce sont les glitters, les glam glitters. Ah.
Alors maman, ça va être à Corentin de donner sa surprise. Oui, ça, oui, à moi. Bah oui, forcément, c'était derrière le bandeau. C'est bon, tu te remets tes émotions? C'est bon. Bon. Ok, bon bah c'est gagné en 4 mots, hein, c'est ça? En 4 mots à la divination ou en 5? 4 Non, bah 5. 5? Ouais, 5. Bah oui, le dernier mot que je lui ai dit, bah, c'était le cinquième. Ok, donc en 5 mots, d'accord. Donc il faut battre ta sœur. Donc je vais donner à ta sœur la surprise en question. Voici pour Corentin. Quoi, tu peux me laisser toucher? Voilà. Non, je ne le laisse pas toucher. Non, pas du tout. Voilà. Tu peux me dire informatique ou des trucs comme ça, un peu plus précis? Allez, c'est parti, Océane, choisis bien ton mot. Des trucs bien précis, tu vois, parce que sinon... Et peut-être pas trop explicite non plus, pas que ce soit trop facile non plus. Hein. Parce que quand j'ai dit poupée, moi, j'avais hésité à dire poupée ou figurine. Parce que c'est genre du fort. Quoi, fort? Ça veut rien dire. Fort. Voilà. Un truc avec des trucs qui se battent. Ah. Ah, déjà. Bataille, quoi. Bataille. Ok, bataille. Des petits bonhommes de tu sais, les petits bonhommes là où tu joues, là où t'as qui de l'armée. C'est ça? Les petits soldats? Ouais. Non, c'est pas ça. Quoi. Deuxième mot pour Océane. Donc c'est parti. Cartes, c'est bon. Ah oui, des cartes pour jouer à la bataille. Des cartes pour jouer à la bataille. Loupé. Allez, un autre mot pour Océane. Vas-y. Pokémon? Des cartes de Pokémon! Ah bah oui, forcément! Des cartes Pokémon! Ah. Bravo Loulou! Ah, t'en fais de ceux-là, ces derniers boosters! Depuis toi que je les voulais! Ah bah oui, en 3 mots! Bravo Corentin! Alors bien sûr, c'était un petit challenge comme ça qu'on a inventé, qu'on a trouvé ça sympa! D'ailleurs, je sais pas si vous aimez les amis, mais là on va passer bah, du coup à l'ouverture. Oui, c'est vrai que je dépasse déjà. Allez, bah, c'est parti, on ouvre. Alors, Océane, tu veux d'abord la poupée LOL? Bon, j'ouvre en même temps et après, j'ouvre les cartes. Ok. Alors, je les connais pas du tout, les amis. Je sais pas du tout dans les commentaires si vous connaissez ces boules. Les glam glitter de LOL. En fait, c'est une série assez spéciale. C'est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs. Océane ne les a jamais ouverts. Un petit papier, c'est le coupe-tour. C'est pailleté. C'est pailleté? Alors, le petit message déjà. Le petit message, il est ici. Et il y a marqué Dress for Success. Ouais. Donc, une coupe avec une robe. D'accord. Donc, premier message. Et Corentin, est-ce qu'il arrive au ressort de soeur? Non. Bon. Comme d'habitude. Ok, on y va. Mais tu viens avoir quand je fais mon Pokémon, il m'a chaque fois qu'il les ouvre. Voilà. Ah bah tant pis, j'ai un pas vu le booster, c'est pas grave. Non, pas grave. Après, il faut pas non plus qu'il soit nickel. Hein. Tiens, mon chéri. Alors, deuxième surprise pour Océane ou pas? Ah, le petit code. Goutte d'eau. Ça doit soit pleurer, soit cracher. 1, 2, 3, le deuxième, les petites 4, 1, 2. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir Pokémon, l'ouverture Pokémon pendant que je ferme ce boule, ouais? Ouais, pour moi c'est long. Ouais. Énergie. Ultra balle. Échange. Masco. Très bonne carte. Medipika. Un nouveau graphique. Déoxy, sans PV, t'as des trucs dedans. Mais tu fais pas me tromper? Bon, c'est pas grave. Aucune idée. Terral.
Polichombre, Goubou, Gobou, oula, il y a beaucoup de chéchés, hein. Poussifeu, et Chuchou, Chuchmurk. Non mais attends, mais en fait c'est au niveau des PV ou c'est amélioré, hein? Ok, bon bah on n'a pas eu grand chose sur celui-ci. Quand même ça a beaucoup de PV et ça fait un peu de dégâts. Hein. On fait le deuxième? Ça pourrait un shot. Hein. Après il y en a à 42 vies ou avec 20 dégâts et 60 aussi. Mimigal, celle-là elle fait pas peur. Hein. Poussifeu avec un autre. Ah, tu l'as vu tout à l'heure. Oh. Paracool. Polichombre. Voilà, la petite boule. Arco, super. Énergie métal, je crois, ou je sais pas. Alors, une énergie, je sais vraiment plus ce que c'est comme énergie. Échange. Masco, encore une fois. Lanturne. Terral en holographique. Et Métalos, qui est méga puissant. Bon, pas rien. Si, celle-là, elle est pas mal. Hein. 170 PV et 62 dégâts. Maintenant, ça complète ta collection. Oui. Oui. Aussi. Alors, Corentin, t'as eu quand même une holographique. Il a eu le petit Métalos holo. Donc, il est pas mal. Elle est très puissante, hein. 62 dégâts. Vraiment pas mal. Donc voilà. Au moins ça complète ta collection. T'es content de tes cartes? Oui. Alors maintenant on passe à la poupée LOL d'Océane. Donc maintenant à tout déballer. Donc t'as l'appartement. Oui, l'appartement. Alors c'est une boule noire. Ah bah tiens, regardez les amis, c'est une boule toute noire. Ok. Alors tes surprises, on commence par laquelle? On commence par elle. Alors, qu'est-ce que Il y a une deux têtes. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un collier. Peut-être un collier, tu vois? Un cercueil. Pourquoi pas? Un petit cercueil. Il brille, hein? Et une paire de chaussures. Il brille. Regardez, les amis, comme il brille. Dis beau, c'est un petit cercueil. J'ai l'impression que c'est une auréole, Océane. Comme toi, toi t'es un petit démon. Vous allez faire la guerre. Allez. Ça va faire la guerre. Le biberon, il est beau. Bah, c'est un biberon d'ange, en fait. Magnifique. Alors, pour voir le petit biberon. C'est beau. Par contre, t'as pas eu de les mains. Il est trop beau. Waouh. Magnifique. Ah bah moi, il faut que je fasse attention de ne pas me pailleter. Hein. Oula, les chaussures. Waouh, elles sont jolies. On dirait des chaussures de petites fées. Des sandales plutôt. C'est des sandales. On dirait celles de la fée Clochette. Oui, c'est vrai. Un oui. Enfant, avec la petite boule. Ce sont des toutes petites. Merci chérie. Alors ce sont des toutes minuscules chaussures. Je sais pas si vous voyez, voilà. On dirait les chaussures de la fée Clochette avec un petit pompon dessus. Elles sont trop mimi. Comme les pompons de la fée Clochette. Celui-là, il n'est pas pour lui. Alors, bien sûr, on n'a pas montré toutes celles qu'il y avait dans la collection. On les montrera après, sinon on va se spoiler. Elle est trop belle. Wow. Et t'as un truc en plastique qu'il faut enlever. Oui, mais je leur montre comme ça, moi, c'est mieux pour... La robe, elle est magnifique. Elle est belle. Alors, on a la petite jupe, voilà, avec le petit haut. Peut-être vous aurez deviné de laquelle il s'agit. Voilà. Oh, j'ai l'impression que c'est un joli petit. J'ai pas envie de spoiler. Alors là, oui, parce que là, en fait, on a toute la collection. Mais on ne spoil pas, on regardera après. Je peux la voir? Alors, attention. Attends. Roulement de tambour. Pada! Elle a les yeux pailletés. Et elle a les doubles cheveux. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez les amis comme elle est belle. Waouh. Elles sont juste magnifiques celles-ci.
Ça, c'est pas pour toi. Wow. Elle a des petits, tous les détails, hein, les petits. Comment? Tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sugar. En fait, ça veut dire sucre. Sugar. En anglais, c'est sucre. Oh, elle est trop belle. On l'habille et après on voit si elle crache, si elle change de couleur. Non, c'est sûr qu'elle pleure. Tu crois qu'elle pleure? Et je crois que si je peux, il change les couleurs. Elle est trop belle. Alors, je vais vous montrer le reste de la collection, du coup. Voici les LOL Glam Glitter. Elles sont trop belles. Et voici celle que Océane a eue. Elle est là. Et derrière, on a toute la collection. Et là, donc, on a Kitty Queen, qui est la ultra rare. Les rares. La rare, c'est The Queen. Et après, toutes les autres sont communes, voilà. Et Océane a eu... Attends, elle est à l'arrière. Voilà, à l'arrière. Elle est à l'arrière, je vous montre. Ouais, elle est là. Franchement, elles sont trop, trop belles. On va aller chercher un petit peu d'eau. Tu vas vous la montrer avec les vêtements? Oui, de l'eau tiède et de l'eau avec des glaçons. C'est ça. C'est trop fort. Ouais, je sais. On la trempe dans l'eau froide. Et là, qu'est-ce qu'on va apparaître? Des ailes, regardez. Waouh, elle est trop belle. Franchement, elle est trop trop belle. Et quand on la plonge dans l'eau chaude, alors ça disparaît? Attendez, vous voyez, non. Les cheveux ne changent pas de couleur. Et dans l'eau, attendez, chaude. Voilà, elle redevient comme avant. Et c'est une poupée qui crache ou une poupée qui pleure alors? Bah alors ça pour savoir, non, tu appuies quand elle est dans l'eau. C'est une poupée qui crache. Et elle crache. On l'habille? Oui, et il faut la sécher. Ah oui, il faut la sécher. Et voici la jolie poupée LOL, toute habillée. Elle est magnifique. Franchement, nacrée et pailletée, elles sont magnifiques. Oui. Les loulous, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Alors bravo à Corentin, tu as gagné. Bah, c'était facile. Hein. Bah oui, parce que en fait, au CERN, elle avait dit combat. Déjà, c'était des gens qui faisaient des combats. Après, quand elle a dit carte. J'ai pensé à des cartes et après elle a tout de suite dit Pokémon, donc bien sûr que j'ai dit carte Pokémon, bah c'était oui, logique. C'était logique, bah bravo, t'as gagné. Alors les amis, je sais pas si ce challenge vous a plu, en tous les cas, dites-nous le où. Dans les commentaires. Et vous, est-ce qu'il vous a plu ce petit challenge en fait? Oui. Il était oui. pas très grand, mais bon, est-ce que vous voudriez, bah, les copains, est-ce que vous voudriez qu'on vous refasse le même avec peut-être d'autres surprises, plusieurs surprises, peut-être un plus gros challenge? Bah dites-nous tout dans les commentaires. D'ailleurs, bah dites-nous si vous collectionnez aussi les LOL, si vous collectionnez les cartes Pokémon. Bah dites-nous tout, on aime tout savoir. On vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si bah, c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao.